Le FPM vient de signer un partenariat avec une institution des microfinances, Proclif, ce vendredi à Kinshasa en vue de contribuer conjointement à une offre en faveur des micro, petites et moyennes entreprises et les personnes à faible revenu. Par cet acte, le FPM décide de renforcer les bases institutionnelles et apporte une réponse aux défis sur la bonne gouvernance, mais aussi aider les PME et les personnes à faible revenu vivant au Kasaï à se développer dans leur entreprise. Favoriser l'émergence d'une offre durable de services financiers de qualité en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, une lourde tâche que le FPM SBL assure en RDC. Avec une vive allure, cette institution financière signe pour une deuxième fois un contrat de partenariat avec la Prosfin SA pour contribuer conjointement à une meilleure couverture financière en faveur des MPME et des personnes à faible revenu qui constituent un secteur stratégique pour le développement de l'RDC. Ce partenariat cible trois axes d'intervention, à savoir l'appui à la gouvernance, l'extension régionale à Kananga et la mise à niveau du SIG. Ce contrat vise à soutenir une des institutions les plus dynamiques de la place, Procfin, qui a beaucoup, beaucoup travaillé en si peu de temps pour servir un si grand nombre d'entrepreneurs au niveau du pays. Et nous avons pensé qu'il était très important, nous, comme le FPM, de soutenir ces efforts et les accompagner, et plus particulièrement, surtout dans la dynamisation, dans la consolidation du travail qui est déjà fait, mais aussi dans l'extension régionale. Prosfin, une institution à capital 100% congolais, d'origine catholique, avec une vision claire, celle de devenir les meilleurs instruments financiers, saisit cette occasion offerte par les FPM ASBL afin de contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des populations de l'RDC. Pour nous, c'est un signe de confiance de ce véhicule qui est le FPM et surtout une fierté de savoir que nous sommes en train de faire un bon chemin. Nous ne nous trompons pas trop dans la vision, dans la direction dans laquelle nous sommes en train de conduire notre institution. D'où c'est pour nous quelque chose de très important, de très capital, et nous espérons que ça va continuer. Le FPM ASBL, une institution multi-bailleur pour l'inclusion financière, ne cesse de marquer son empreinte dans le pays en vue de réduire le taux de la pauvreté. Pour y arriver, il s'appuie sur les institutions financières à qui l'accordent des services financiers et d'assistance technique.